Je m'appelle Adèle Marini. Et je m'appelle Ruben. Je m'appelle Eleonore. Je m'appelle Marceau Ebersold. Je m'appelle Enzo Monchozou et je suis membre de la jeune troupe. La jeune troupe de la colline, c'est avant tout la rencontre de 5 autres comédiens, comédiennes avec qui on traverse comme ça une année. On a été un peu une grande colloque, quoi. Bah, voir aussi le fonctionnement d'une institution, d'une grande institution théâtrale. C'est du vivre ensemble. Là, cette carte blanche, je le prends plus comme un exercice dans lequel moi j'essaie de plonger en écrivant un texte, en mettant des mots sur une sensation, sur qu'est-ce que ça voudrait dire, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la vingtaine, d'être paresseux et d'être dans une grande ville. Personnellement, je parle d'agression et de viol. Sujet délicat, compliqué à entendre. On a tous des choses à défendre, aussi différentes soient-elles. Et moi, c'est le sujet que j'ai choisi, parce que ça me touche personnellement. Ma carte blanche, c'est une écriture personnelle, une première tentative d'écriture, où j'interroge ce qui fait famille et où il est question de culpabilité et de disparition. Un texte de Adrien Madinier qui décrit un peu lui-même aussi comme une variation autour de l'indignation, et c'est un personnage qui s'indigne. Venez les 16, 17 et 18 novembre pour découvrir les cartes blanches. C'est gratuit, c'est quand même pas mal. C'est la première fois qu'on travaille ensemble comme ça sur des projets personnels. C'est dans une très belle salle. Donc on a besoin de vous, on a besoin de vos retours. On vous attend nombreux, nombreuses. Venez. On a eu des rendez-vous avec Wajdi et je joue beaucoup Backgammon. Et on a fait une partie Backgammon 2. Et je l'ai battu. Du coup, c'était pas mal.